Elle aussi accompagne des jeunes vers l'emploi. La mission locale de Troyes vient de déménager. La visite inaugurale a eu lieu cette semaine. La visite donc cette semaine avec le maire de Troyes, installé depuis 1992 dans le centre-ville. Rue du Pont-Royal, la structure siège désormais sur le site des Arcades. Originalité, les 5000 jeunes accompagnés chaque année pour trouver du travail vont côtoyer les seniors dans des locaux plus fonctionnels sur deux étages. Cette cohabitation permettra dans l'avenir de développer des actions intergénérationnelles. C'est du moins ce que souhaite sa présidente Elisabeth Grandpierre. Elle s'en explique au micro de Damien Ardois. La mission locale, c'est 5000 jeunes reçus chaque année, 1400 jeunes nouveaux qui arrivent, malheureusement on va dire. Et donc il faut pouvoir les accueillir dans des conditions décentes, et c'est vrai que les locaux n'étaient plus adaptés. On a saisi cette opportunité qui est une véritable opportunité, une vraie chance d'installer notre mission locale au sein d'un centre de gérontologie. Je crois que c'est une première en France. Alors déjà pour les jeunes, le fait d'être mieux accueillis dans des conditions plus confortables, c'est un vrai plus. Ce qui va changer aussi, mais le fait d'être au sein d'un centre de gérontologie, on en espère beaucoup. On espère pouvoir mener des actions intergénérationnelles, créer davantage de liens sociaux entre la génération précédente retraitée et nos jeunes qui ont tellement besoin d'être soutenus et accompagnés.